La deuxième demi-finale que je vais vous présenter maintenant a réellement une allure de finale avant l'heure. Tenez-vous bien, les équipes qui vont s'affronter ne sont autres que l'équipe MDR, Shiro Itachi, Aitani. Je vous ai déjà expliqué qu'il y avait deux vainqueurs du Togeki sur les trois quand même, face à l'équipe Nemo, RF, Ikoma. Alors là aussi il y a deux vainqueurs du Togeki on va dire, ou plutôt plusieurs, mais il y en a un disons qui compte pour double, à savoir RF, et le premier match va opposer Ikoma, que l'on n'a toujours pas vu jouer, Saento Dictateur, le meilleur dictateur actuellement au niveau de classement BP, hein, j'entends, au Japon. Il est opposé à MDR, et ça va être très intéressant là, comme match à voir jouer, incroyable, hein, entre l'équipe de Nemo et l'équipe de Aitani. On a ici les deux favoris qui s'affrontent en demi-finale. Pour le moment, c'est MDR qui prend un assez mauvais quart d'heure, et Ex Messia dans le vent, puni par la chope d'Ikoma, et son gros point, balai punch, balai kick, qui est ni press cross down pour éviter la dev kick, et punition encore à la chope, et c'est Ikoma qui impose pour le moment son style Stan HK dans le saut. Où tu crois aller, fin de saving et saut vertical, medium kick, c'est magnifique, superbe, hein. Il a été à aucun moment inquiété par MDR, c'est assez surprenant d'ailleurs de voir avec quelle facilité déconcertante ce dictateur a réussi à mener la danse. Non, c'est MDR qui est parfois ses premiers rounds. Et Psycho Crusher s'est rattrapé par bas gros point. Voilà, on voit un MDR déjà en train de faire une meilleure entame de match que précédemment. Cross-up s'est gardé, Stan gros point s'est gardé, envoie dive kick. Pas de combo juste derrière, mais bas gros point dans le dash avant. Il est en train de lui barrer la route. Bien joué, cette glissade pour rattraper le bas gros point encore. Un Ex Messia faufilé juste derrière, cross-up medium kick. Et il remet la pression au dash avant. Il prend 2 LK, ni press. Et c'est au tour d'Ikoma de installer son jeu avec la super chargée, alors qu'il mène déjà d'un round. C'est probablement la clé du match, cette super, ni presse encore, ça pousse MDR qui n'a plus trop de solutions à présent. Dash avant chop avec encore une pression mise par Ikoma, qui vient d'arrêter avec soit arrière medium punch ici, oh dommage, Ex Devil Reverse dans le vent, ça c'est le genre de truc, tu pouvais pas mieux tomber pour te faire punir par un target combo ultra. Je doute qu'il puisse se sauver voilà d'une dev kick fatal à la relevée en Okizem. MDR qui prend le deuxième round, un partout, un match extrêmement équilibré pour le moment. Ikoma qui réussit à maintenir quand même MDR, ça c'est quand même la marque des grands, ça se voit, saving dash avant dans le bas gros point, ça aussi c'est la marque des grands, avec le saut gros point en side jump pour éviter le Ex Messia, saving dans la variation low, et malheureusement pas de level 2, pas de counter, et du coup, eh bien, pas de combo derrière. Une glissade qui réussit à faire mouche encore avec les mix-up arrêté par la dive kick de MDR, mais c'est encore Ikoma qui mène la danse avec cette chop. Il le mène au coin, saut vertical gros pied après le saut gros point, Sunlight Punch, il prend un target combo, saut HK et l'ultra juste derrière. MDR en passe de remporter ce match. Attention, les dégâts monstrueux à la relevée, tout peut se jouer là, et c'est saut vertical gros point sur une belle lecture de Ex Head Press à la relevée de la part de son adversaire. Il a parfaitement puni comme il fallait MDR, on le voit là, il s'amuse tout simplement. C'est marrant de pouvoir voir ces joueurs comme ça ici. Regardez-le. Oui, bah oui, mais je lui ai mandé la gueule, tu comprends. Il pouvait rien faire, j'étais dans sa tête, dans son cerveau. MDR en tout cas qui pour le moment donne confiance à son équipe. Le prochain joueur à suivre sera ni plus ni moins qu'RF. Hein. Excusez-moi, RF contre MDR. Si c'est pas un classique, alors MDR 4. Tellement l'habitude de jouer contre Isho dans sa merveilleuse contrée, qu'à mon avis et bien Sagat, c'est pas vraiment un versus qui lui pose des difficultés, hein, croyez-moi, les Sagat il roule complètement dessus. Après ça reste RF quand même probablement le meilleur Sagat à l'heure actuelle, vous avez vu, hein, la variation HK pour casser les bas gros points, il prend Tornado dans la garde, c'est peut-être maintenant avec cette balayette que MDR va s'exprimer. La kick gros point, Tornado après ce backdash raté, la chop à la relevée, ça fait mal quand même cette chop, cross up medium kick, mais c'est en whiff et la punition, c'est la chop, et on renvoie au Tiger Shot. Attention, 2 LK, la dev kick ça a whiffé, et du coup il peut punir par la chop, Tiger Nip pour se rapprocher, Tiger Shot il envoie en haut évidemment pour casser les Ex Messia, et toujours en lent, très bien joué de la part de RF pour le moment qui tient bon la barre, même si MDR semble dominer cet échange pour le moment. Et bien encore un HK qui coupe l'herbe
sous le pied. Un dragon dans le vent, c'est fatal. C'est fatal, ce dragon, il va permettre à MDR de prendre le premier round de ce deuxième match. Et pas passer loin, le dragon était plutôt bien joué. Malheureusement, c'est la dive kick hein, qui est sortie trop loin. Et le dragon a whiffé, mais le réflexe était quand même là. Et rebalayette qui met à terre. Chop, ce coup-ci, c'est déchopé en réflexe. Par RF qui renvoie un ex-messia. Dive kick, un dragon cancel là-dessus pour se sortir du pressing. Et bah là, kick, bam, medium punch, ex-tiger shot. Avec encore pressing de tiger shot ici. Mais dès que le HK passe dans le vent, MDR puni en réflexe par la balayette. C'est vous dire à quel point on est là. On est très très haut. Allez, voilà, encore un tiger knee après dragon cancel. Le ex-messia, c'est parfaitement mindé. De LK, de LP, tiger shot pour son gros point. Et l'ultra, un tiger shot de trop. Un seul tiger shot de trop et MDR reprend l'avantage. Et là c'est terrible ce qui est en train de se passer. Dragon dans le vent, il a craqué RF. Et MDR reste assis sur la place. Et vous voyez au loin s'installer Nemo en dernier. Attention à ça, Nemo en dernier striker. Ça peut être la pire des choses. On a des souvenirs au Togeki de cette année où il a malheureusement et bien tuer son équipe sous la pression. On va voir, hein, ça peut se jouer à rien. S'il réussit à rentrer dans son match parfaitement, Nemo peut faire des choses magnifiques. Mais regardez ça, Nemo face à MDR. Regardez, bas gros point cassé par palme direct. Et dive kick, balai punch, bas medium kick, 5 Utai. C'est bon, il est rentré dans son match parfaitement. Dive kick cassé par la dive kick de Rufus. Prend la kick, gros point, tornado. Et il mixe directement derrière avec le ex-TP cassé par la dive kick. Vous avez remarqué hein, de la part de MDR qui connaît quand même bien le match-up, c'est un Q-tai entière. Attention à la relever, dive kick en weave pour mettre de LK. Hey, hi, hoi, il est dans le coin, son gros point, tu ne sautes pas avec les balai punch. Encore, hey, hi, il recule juste à bonne distance pour faire whiffer tous les malencontreusement de MDR. Ex-dragon pour se sortir ici du pressing de Mantis Slash, ça ne suffira pas. Nemo prend le premier round sans souci, une domination parfaite hein, de la part de Nemo. Ça se joue à rien, il doit striker l'équipe, il le sait. Nemo, il n'a plus le droit à l'erreur. Encore, c'est dive kick en whiff. La relever, bien joué. Hey, hi, le cancel. Medium kick qui met gros point avec fin de cross dans balai punch, ten light punch, bas medium kick. Encore 3 mantis. La dev kick qui se fait casser par le ex messia, mais les dégâts ne sont pas conséquents. Bien joué, Senkutai cancel avec un deuxième en juggle. So medium kick encore et la pression mis par Nemo. Ça ne s'arrête pas. Il prend son HK. Ça fait mal. Ça fait mal ce genre de choses là. Il vient de lui dire arrête de sauter. Tu m'agaces. Arrête de bouger. Tel un moustique là. Tel un insecte nuisible. Bien joué, cross up juste derrière ce gros point reset. C'est incroyable les mix-up de Nemo et Dragon Cancel. L'ultra dans les boules et c'est terminé. 2-0 pour Nemo qui réussit à eh bien donner un peu d'air à son équipe. En tout cas, il sort MDR et savoir qu'il a sorti MDR, ça veut peut-être dire qu'il réussira à sortir d'autres joueurs. Alors, je pense que c'est Aitani qui va s'asseoir sur ce banc. Voilà, c'est lui, Aitani, hein, The Force Shield, l'un des 5 dieux du Versus Fighting avec Makoto, opposé à Nemo qui choisit l'Ultra 1. Notez-le bien tout de même pour son Yang. Et c'est parti. Allez, balle de match hein, toujours pour Aitani avec le début du match qui commence très très mal. Nemo, la pression énorme sur Aitani pour le moment. Karakusa dans le vent, il prend dive kick avec encore. Hey, hi, hoi. Et dive kick, il est obligé de s'en sortir avec l'ultra. Il essaie de le repêcher avec le Xenku Time, ça marche pas. Gros point Ayate, c'est contré ici par les 3 mantis de la part de Nemo. Dive kick en whiff qui fait whiffer ici le Tsurugi. Il reprend 3 mantis. Sashten, Ashka counter, il t'a la relevé. Oh, phénoménal, phénoménal. Nemo qui est en train de rouler ici sur Aitani. Aitani qui fait un très très mauvais début de match. Allez, ça peut le faire, ça peut le faire pour Nemo. Tout est possible. Tsurugi s'est encaissé. Ex Ayate en juggle. Stand light punch après un balai punch en miti. Back throw, attention, Nemo en grave difficulté. C'est poussé, il a fait une Nemo. Il a fait une Nemo, évidemment c'est le stun sur une Nemo. Ça ne pardonne pas une Nemo. Un gros pif à la relever. Et c'est perfect de la part de Aitani. Aïe aïe aïe, comment il a déroulé ça en moins de 2 secondes. Incroyable la vitesse à laquelle c'est allé. Balle de match pour Aitani. C'est la balle de match, allez dive kick de LK. Hey hi ho, il est dans le coin à présent. Redive kick évité par son arrière, gros point. Tsurugi c'est dans la garde, son vertical même cas. Et toujours le stand MK pour essayer de casser. Allez, il est parti, un blocable, il va le bouffer, ça y est, l'imbloquable est sorti. Et le Saiyan rentre en intégralité, mais il a mis le
Ultra, Ultra pour s'enfuir. C'est la punition, il est encore dans la super. Ici Nemo avec Sayaté, ça passe dans la gare. Karakusa a chopé quoi? Il a chopé quoi, punaise, avec Sayaté. Fukage avec Tsurugi, attention à la relève, attention à la relève. Une deuxième Nemo, c'est pas beau ça, une deuxième Nemo. La saving d'Ipotchton. Oh, c'est mal terminé, mal terminé. La saving, Tsurugi me rend poids avec Sayaté. Le 15ème la relevé, au 15ème la relevé. Pas de troisième Nemo, pas de troisième Nemo. C'est le meilleur punch avant le meilleur punch. Et ça rien, gros point. Tani, incroyable. Incroyable. Oh là, ce qu'il a réussi à faire. Quel match absolument extraordinaire. C'est du jamais vu. Du jamais vu ce que nous venons de vivre ici. Mais qu'a-t-il chopé? Mais qu'a-t-il chopé? Qu'a chopé Aitani? Ah, à une range phénoménal dans le coin. Il réussit à choper un membre, un bout de soulier de Nemo avec son Karakusa. Et c'est terminé. Juste derrière, Nemo craque par deux fois. Et les craquages de Nemo, on l'a déjà dit, sont souvent synonymes de défaite de son équipe. On l'a constaté au Togaki et on le constate ici au Nagoya Street Battle. Et bien voilà, la finale va opposer l'équipe Shizuoka face à l'équipe MDR. Aitani et Shiro Itachi, c'est quand même une affiche absolument exceptionnelle. Et quelle demi-finale absolument incroyable. J'ai bien envie de vous mettre un replay là de ce dernier match avec une petite fonction ralentie pour vous montrer clairement ce qui s'est passé lors de ce match.